Tu parlais de poussière. Est-ce que tu peux préciser, parce que la poussière qu'on a dans notre cuisine dans notre ou dans salon, c'est notre pas salon, exactement la alors c'est quoi la même. différence, la poussière des étoiles dans ce cas spécifique et la poussière qu'on a dans la vie Oui. quotidienne? Bah, en fait, donc dans notre galaxie, en moyenne, pour un gramme de gaz, il y a un centième de gramme de poussière. Et tout ce qui est poussière, c'est tout ce qu'on appelle, c'est tout ce qui sont des agrégats, en fait, à partir de, qui sont faits soit de silicate ou de fer, enfin, tout ce qui est, sont les métaux qui sont formés, en fait, au cœur des étoiles. Ensuite, lorsque les étoiles meurent, elles rendent tous ces composants chimiques, donc ces métaux, etc., dans le milieu qui les entoure. Ensuite, ces métaux, dans certaines conditions, ils vont s'agréger avec du carbone, avec des chaînes carbonées, etc. Et ça va faire ce qu'on appelle des poussières. Donc, nous, tout ce qui... Bon, pour les astrophysiciens, c'est terrible parce que tout ce qui est pas C'est du simple gaz, l'astrophysique en voilà, tout ce qui fait, n'est pas c'est du très gaz est de la simple. poussière. Et tout ce qui est plus, tout ce qui est plus lourd, tout ce qui est plus lourd, en gros, que... Allez. Que l'hélium, allez, Voilà, que voilà. bon, on va peut-être aller quand même jusqu'au carbone, bah, c'est des métaux. Voilà. Donc effectivement, il y en a très très peu dans l'univers, en fait, ces autres composants, hein, ces principes. Mais par contre, ce sont eux qui, pendant les phases où le gaz, en fait, à certains endroits dans la galaxie, va commencer à se contracter parce qu'il a une propre gravité, on a ce mélange de poussière et de gaz qui va réussir à un certain moment à avoir une densité telle que on va commencer à pouvoir faire des réactions nucléaires, à former une étoile. Donc ça, c'est un processus qui est assez compliqué, il faut pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est ça, et c'est qu'en fait, donc la raison pour laquelle on trouve des planètes autour des étoiles, autour de quasiment toutes les étoiles, c'est parce que en fait, nous sommes les déchets de la formation stellaire, en fait.